espérant que... Voilà. En espérant que le gameplay d'aujourd'hui ne soit pas aussi catastrophique que la musique d'intro du décompte du live. Tu veux mettre une musique, mais ça marche pas. Alors, ça m'était déjà arrivé quand tu mets des musiques en MP3. Par contre, si tu les mets en MP4 avec une vidéo, mais que la vidéo tu la sors de l'écran, ça marche. Les joies de OBS. Aïe. Bon, est-ce que... Faudra me dire si le jeu est pas trop fort hein, par rapport à ma voix. J'ai l'impression qu'il est peut-être un peu fort, non? T'en fais voir par rapport à ma voix. Ouais. Faudra me dire quand même. Hein. Déjà rien que là, la musique, comment ça fait? Parce que je sais que j'y avais monté pour... Bon, en tout cas, salut Ced, salut Wellstone, salut Parisien. Alors tu me dis oui, mais quoi? Le son est trop fort? Mais que se passe-t-il? Je débarque dans un live de Kishni. Ouah, Mando! Mandoverse. Mando qui débarque dans le Kishniverse. Alors attends, on va baisser alors, parce que de ce que j'ai compris, c'est trop fort. Mais là, ça a l'air d'aller. Coucou, c'est le chat ou le chat. C'est ma phrase de bonjour. Je suis nouveau. Eh bien, écoute, bienvenue à toi. Alors, je vais essayer de ne pas écorcher ton pseudo. Tu t'appelles Azor Kadok. Ah, Kadok. Un fan de... Non. Si, Kadok. Kadok, Karadok, non. T'es pas un fan de... Kaamelott, non? Au cas où. Bon, je vais t'appeler Azor. Et donc, le coucou, c'est le chat, d'accord. Ok. Eh bien, coucou à toi, et puis, bah... Bienvenue. Elle est où, la poulette? Bon. J'allais dire, il est où, le pouette? Mais non, tu l'as mis au-dessus. Donc, salut Krix, salut cousine. Ça va, vous êtes nombreux aujourd'hui? Ouais, faudra me dire, parce que entre Genshin et Jedi Survivor, j'ai l'impression que le son, c'est pas pareil comme je dois le mettre. Donc, faudra me dire si c'est pas trop fort. Hein. Et tu me dis c'est bon là. Ah, ok. C'est le chat, le miaou. Bon, d'accord. Okay. Bien. Bah, bienvenue à toi, Azor. Est-ce que c'est toi qui m'as follow il y a genre aujourd'hui? Parce qu'il me semble que j'ai reçu une alerte dans la journée en fait de quelqu'un qui s'était follow, mais j'ai pas retenu si c'était toi ou pas. Oui, c'est moi, voilà, t'as vu? Il y a un petit peu de mémoire, un petit peu au moins. Et par curiosité, tiens, tu m'as connu comment? T'es venu pour quel contenu? Voilà, parce que bon, en ce moment, je fais beaucoup Genshin et Star Wars. Ça varie. Après, je fais aussi les émissions des Chroniques de l'Ordre sur mon Discord. D'ailleurs, si ça t'intéresse de rejoindre le Discord, je peux te mettre le lien dans le chat et non pas le chat cette fois. Alors, c'est bien parce que comme je joue toutes les deux semaines... J'ai le temps de tout oublier à chaque fois. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ça, c'est pour parer. Ok. Là, je peux faire ça. Normalement, quand je suis en combat, je devrais pouvoir le lancer deux fois. Et oh, doucement, les mecs. Avec ça. Ah, attends, tu peux faire ça. Et là, tu. Ouais. Oula, le lien dans le chat, ce serait chelou. Oui, c'est vrai. C'est vrai que là, bon. Ce serait un peu bizarre. T'as intérêt à quitter Kobo ou je te fais la peau? Bah écoutez, il me semblait pas que vous étiez contre Kobo hein, la dernière fois. Alexandre, je suis sûr que tu connais cette personne. Ah mais c'est toi aussi qui a laissé ce commentaire un petit peu anecdotique. Enfin pas anecdotique, comment on dit Attends, sur cette personne, c'est lui qui me l'a montré. Mais, comme je te disais dans les commentaires, je connais plusieurs Alexandre.
Mais est-ce que ce serait pas un Alexandre qui me suivait genre au tout début de ma chaîne, enfin au tout début de quand ça a un peu explosé avec Star Wars, justement en 2015, 2016, non? Non, c'est pas un des premiers à avoir fait une vidéo collection sur ma chaîne, non? Si t'as son pseudo, ça m'arrangerait en fait. Mais est-ce que c'est toi le Alexandre ou est-ce que c'est... Non, c'est le Alexandre qui t'y a... Donc en fait, il faut déjà que je retrouve le Alexandre qui t'a fait montrer. Oui, c'est lui, j'étais en stage avec lui aujourd'hui. Attends. Oui, mais attends, tu me dis oui, c'est lui. Mais ça veut dire... Attends, son pseudo, c'était Alexoche? Attends, est-ce que c'est Alexoche? Parce que... Oh, ça fait longtemps, hein? Ah, ça y est, on est déjà passé plus de temps dans les menus que dans le live de Wellstone. Oui, ben... Ce sont mes lives, c'est comme ça, ce sont des live menus. La prochaine fois, je mettrai menu impact pour Genshin, je mettrai menu Survivor pour Jedi Survivor. Heureusement que j'ai pas mis mon prénom en pseudo, tu serais encore plus embrouillé. Bah oui, évidemment Mando. Mais... Hey, on critique pas. je l'ai vu à votre vidéo vlog Disney. Attends, quoi? Mais non, mais c'est pas lui du tout, alors. Va falloir m'éclaircir un petit peu, là. Menu Survivor, ça va être mon nouveau pseudo à force. Ah bah, oui. Bon, déjà, faut que je réapprenne à jouer. Mais va falloir que tu m'éclaircisses un petit peu les choses, là, Azor, là, parce que je suis un petit peu brouillé, tu vois. Comme des œufs. D'ailleurs, ça me fait penser... Moi, j'aime discuter avec le chat. Bah voilà. Bah, Wellstone, c'est chat survivor. Et moi, c'est menu survivor. Chacun sa spécialité. Voilà. Maintenant, scan, tu prends ou tu laisses. Je go dans le Discord, ça pourrait t'aider. Ah ouais, non, il n'y a pas le lien Discord. Ouais. Ça, il va falloir que je m'y mette. Faire genre un. Tu sais, un point d'exclamation Discord, là, pour pouvoir. Oh non, me dis pas qu'il est sur l'autre écran. Mais non, il est sur l'autre écran. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que vous croyez que je vais réussir à l'obtenir? Ou alors s'il y a une âme charitable. Ouais, mais je sais pas si vous avez le droit de mettre des liens. Est-ce que je vais réussir à capter mon Discord qui est sur l'autre écran? Oui, j'ai réussi. Oh là là. Qu'est-ce que je suis efficace. Inviter des gens. Copier le lien. Et bam, dans le chat. Ouais, ça faudrait que je le mette. Wellstone, tu me feras une formation pour savoir comment on fait pour faire point d'exclamation Discord et paf, ils ont le lien. Bon, je pense que si je fais une petite recherche sur YouTube, je vais bien trouver, mais... Voilà, donc là, tu as le lien. Bah, bienvenue à toi si tu viens sur le Discord. Et on va falloir qu'on éclaircisse ce truc de Alexandre, hein, mais on va y arriver. Pas de soucis, je te dirai ça, c'est très simple. Ouais, j'en doute pas, mais c'est juste... En fait, moi, il y a deux choses que j'aimerais ajouter sur Twitch. Il y a ça, tu vois, le lien, bon, point d'exclamation, Discord, YouTube, etc. Ça peut être cool. Et j'aimerais utiliser aussi les points de chaîne, parce qu'aujourd'hui, les points de chaîne, je suis sûr, il y en a, ils ont dépassé les 20 000, et ils peuvent rien faire avec. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est mettre des sons, tu vois, comme le fameux Eloder, mais... Peut-être que je ne mettrai pas lui, je mettrai autre chose. J'ai des petites envies de mettre des espèces de phrases toutes faites qui fait que les gens pourraient limite discuter avec moi en mettant des alertes. Enfin voilà, je pense que vous m'avez compris. Ou alors réagir en fonction de ce qui se passe. Bon, c'est le but. Mais je ne sais pas si c'est possible, ça, de mettre un MP3 audio et que... Mais je pense que oui. Je crois que de faire des espèces d'utilisation des points de chaîne... Enfin, tu peux le faire toi-même, je crois, normalement, avec en téléchargeant des MP3, des machins. Mais ça, je vais regarder. Mais ouais, si t'as. Si à un moment, que ce soit sur le Discord ou autre, tu peux me dire, tiens, ben c'est là. Ben, je regarderai avec plaisir. Il est un beau derrière le calme. Voilà la seule manière d'utiliser les points de chaîne aujourd'hui, pratiquement. Donc. Alors, moi, ce que j'aimerais retrouver. Voilà, c'est ça. Ok. Donc ça. Ok, on peut faire le dash. Ça, ok, c'est un petit dash. Est-ce qu'il n'y a pas... Il y a un moyen de faire un autre dodge. Un dodge un peu plus...
Ah oui, c'est quand je fais ça. Y a pas moyen de faire un dodge sauté, tu sais, genre. Y a pas deux types de dodge. Normalement, il y en a un, t'appuies brièvement sur rond. Puis il me semblait qu'il y en avait un. Je vois que t'as pas mis la bonne couleur de sabre. Je te pardonne pour cette fois. Alors, ça dépend quelle est la bonne couleur. C'est quoi une bonne couleur? Qu'est-ce qu'une bonne couleur de ça? Question philosophique. Alors attends. Salut les gars. Bon, vous êtes bêtes comme d'habitude. Maestro Scaro, c'est lui son pseudo Discord. Il m'a montré ses dessins. Mais c'est lui? C'est donc lui? La bonne couleur, c'est le violet. Eh oui, et la bonne couleur à toi alors. Qu'est-ce que tu veux faire, Didi? They must have shot this drop pod all the way from the Luther Hulk. Une capsule de largage d'un vaisseau de combat de type Lucre Hulk. Utilisé pour transporter des droïdes de combat et d'autres unités séparatistes sur le champ de bataille pendant la guerre des clones. Les coordonnées des destinations assurent généralement un atterrissage dans une zone sans danger, mais les commandes de celle-ci ont été piratées. Elle a été propulsée en direction de la faille basaltique. Ok, alors le but aujourd'hui, je sais pas du tout où j'en suis sur Kobo, hein, mais ça va être d'essayer d'en sortir. Mais peut-être que vous êtes tranquillement en train de rigoler et disant « Tu viens de commencer, Kobo !» Excusez-moi. Il n'y a plus les roulades sur ce jeu. Ah, ok. Donc c'est ce que je me demandais. Vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises couleurs de sabre. Si je devais décrire ma vie, je vous dirais que c'est d'abord les rencontres. Effectivement, Mando. Ah, bah, ça, c'est de la réplique. Ça. Donc, bon, là, on va au bon endroit. On se rappelle aussi que la végétation est bien faite. Hein ? Est-ce que j'avais pas arrêté la dernière fois parce que vous m'avez dit « Ah, c'est peut-être un petit peu long si tu continues. » Oh, oh, et oh, je me suis... Ah, bah, peut-être que je le lock. C'est pas mal. Allez, attaque. Ce sera mon entraînement aujourd'hui. Allez. Viens. Oui. Bah, j'ai fait un peu la toupie, là, mais... Ok. T'avais pas déjà fait cette séquence? Bah, je me rappelle avoir déjà fait Crash Bandicoot en haut là, oui. Mais... Ah mais si, mais j'étais retourné en arrière pour sauvegarder. T'as quelle mémoire le scan, quelle mémoire. Il y a un raccourci que j'unlock. Non mais là... Non. Ah ? Tu crois ? Si je devais citer un seul défaut de ce jeu, je dirais que la map peut devenir labyrinthique par moment, donc bonne chance. Voilà ! C'est exactement ce qui se passe. Ah oui, ça fait plus d'un... Ben non, 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 je me rappelle plus. Je me rappelle même plus de ça, non ? Ben, je me rappelle... Est-ce que je vais vraiment au bon endroit ? Ah merde. Allez. Mais comment ça se fait que je peux pas faire le... Attends, peut-être qu'il faut que je lui enlève son... Attends, on va essayer un truc. Ah bah oui, ah bah je vais me faire tuer par un Stormtrooper. En fait, je veux juste essayer quelque chose, tu peux pas me... Quoi genre... Ouais, non, bon, il veut pas. En fait, le truc... C'est pas là où je dois aller. Je t'écoute galérer et je dessine en même temps. Oh bah... En espérant que ça t'empêche pas de dessiner correctement, sinon à chaque fois que je vais galérer, tu vas faire des espèces de ratures. Hâte de la fin du jeu en 2039 et que tu te dises c'est qui lui déjà. Oui, un scout. Non mais de toute façon, je savais que si j'allais dire Stormtrooper, c'est le même mec qui a tué des inquisiteurs et il se fait tabasser par les troopers. Bah oui.
Outil gomme, c'est magique. Ah oui, tu es sur PC. Non mais attends. Ah bah oui, c'était ça. Oui, d'accord, mais l'objet... L'objectif est là. Donc, est-ce que ça sert, quoi ? Est-ce qu'il faut que j'aille en bas ? Bah non. À moins que si. Mais oui, je suis perdu. Mais t'es étonné? Oui, là, je suis complètement perdu. Je viens de recommencer le jeu, donc je suis complètement perdu, là. Est-ce que je dois monter? Est-ce que je dois... Je sais pas, moi. Là, bon. Ok. Oui. Là, je viens de là. Bon. Ok. Non, attends. Je me souviens que là, c'était... En fait, là-bas, c'est là où il y avait la grosse brute. Ça, je me souviens. Ensuite, il y avait ça. Et donc, c'est là, en fait, qu'il faut aller, non? Oui, mais là, on a déjà été ici. Ah, mais peut-être qu'il faut passer là. Attends, on peut aller regarder. Hein. Bon, il y a un truc aussi que je veux voir. Parce que là, je comprends pas, là. Compétences. Même la dernière fois, j'y arrivais pas, je comprends pas. Double lame. Voilà, ça. Appuyez sur triangle de nouveau pour réaliser un deuxième lancer de sabre laser autour de Cal. Bah oui, mais c'est ce que je fais pourtant. Mais il le lançait en avant, Ouais, c'est peut-être quand il y a plusieurs ennemis. Découvre le jeu aussi, puis ça fait 2 semaines pour prendre tes marques. Ouais, exactement. Ah, au moins, Weston, elle me comprend, quoi. Les excuses, c'est que pour McKish. Non, les excuses, c'est pour moi. McKish, lui, il a pas besoin d'excuses, lui. Non, mais attends. Se reposer. Est-ce que j'étais arrivé là ou là? Parce que là, moi, je vois des espèces de petites plateformes, là, mais est-ce qu'on peut y aller? Mais de toute façon, ça servirait à que dalle. J'ai l'impression que... Ouais. Bah, de toute façon, j'en viens, en fait, hein, de là, hein. Là, on est d'accord, j'en viens. Parce que là... Bah oui, ça, les plateformes et tout, c'est en haut. Donc, bref. De toute façon, c'est là-bas. Tout ce que la carte te montre, c'est les endroits explorés. Ouais, mais tu vois, je vois des espèces de petits trucs grisés des fois et je me dis, ah tiens, c'est peut-être là, pas là. Mais écoute. Je dois aller là. Attends, est-ce que je dois revenir en arrière? Non. Est-ce que je dois revenir en arrière? Oui, non mais... Faut que tu te diriges vers la zone dorée. J'ai envie de te dire, non, c'est pas vrai. Mais oui, je sais, mais par où? Je sais juste que... Salut les gars. Je sais, non mais, non, c'est bon, je veux pas de vous. Je sais juste que, ok, bon, j'avais certainement fait ça, mais alors, est-ce que je l'avais fait pour aller là en bas après? Non, pas possible. Ça, je me souviens d'avoir été là, non? Ou pas? Bon, écoute, on va voir. Enfin, ça va me réentraîner. Ah oui, c'est vrai que lui... C'est vrai que lui, il faut que je le... Aïe! Ah oui, c'est celui qui vomit, là. Génial. Je fasse de la force, lui. D'ailleurs, c'est quand tu veux pour... Bah d'accord, bah oui, bah fais-le pendant que je t'attaque. Mais il est très intelligent, lui. Merde. Ah mais quel code. C'est bon, je maîtrise. Je... Mais je t'ai fait cette force.
Vas-y, j'existe pas aussi pendant que tu y es. Ah, qu'est-ce que j'ai l'air maintenant à côté? À côté de Wellstone qui te finit Fallen Order en difficulté max, sans rien augmenter. De quoi on a l'air maintenant, hein? Bah oui, mais non, mais non, mais non. Hey Billy? J'aime bien, je me prends absolument tout. C'est génial. Ah oui, oui, non, mais il y a absolument tout. Bon, voilà. On s'en est tiré quand on pouvait. Mais est-ce qu'il y a, quelque chose ou pas là? J'ai l'impression d'être totalement à l'opposé quoi. J'aimerais bien voir un film Star Wars où les personnages sont aussi paumés que les joueurs avec Cal. Ça pourrait être drôle. Bah, tu peux demander à Waititi peut-être qu'il pourrait le faire ça. Outre la zone dorée, l'accès doré. Je ne sais pas si c'est clair, montrant que si tu passes par là, tu découvriras une autre partie de la map. Ah, mais j'ai cru que la zone dorée, c'était mon chemin que j'ai fait moi. Tu vois, là, elle me suit. Enfin, je sais pas si c'est de ça que tu parlais. Après, est-ce qu'il y a une zone dorée? T'inquiète pas, Scan est là pour... Se foutre de ma gueule aussi. Oh oui, non mais j'en doute pas. Ah mais Weston, c'est une pro, bien oui, bien sûr. J'ai une légende, pas ton chemin. Quel criminel. Bah attends, ok, donc j'ai une légende. Légende. Votre position. Inexploré. Oui, pour inexploré, d'accord. Look, zoom autour de là où t'es. Regarde autour de toi, il y a d'autres petits logos. Là autour de moi. Parce que moi, attends. Voilà, moi ce que je vois, c'est que ici, tu vois, t'as ça. Donc, pour moi, c'est là en fait qu'il faut aller. Donc limite, il faudrait que je remonte, que j'aille là, que je descende ici et que j'aille dans cette porte jaune. Pour moi c'est ça. Hein. Est-ce qu'on peut pas se téléporter, sérieux? On peut pas se téléporter? Il est fort ce Kishni. Mais non, je suis juste très bien conseillé. Bon, je suppose qu'il n'y a pas de moyen de... Il n'y a pas moyen. Hein. Ouais, il n'y a pas moyen. Bon, alors... On va faire comme si... comme si... Hein, comment je fais maintenant? très bien. Ah oui, d'accord. Ok, fallait que je le tire d'abord. Je dis pourtant que j'ai appuyé sur L2. Qu'est-ce que c'est ce... Ok. Non mais ça, je me souviens, c'est un des derniers trucs qu'on a fait, ça, non? Après, pourquoi est-ce que ça avait servi? Je ne sais pas. Ah oui, c'est vrai que ça bouge, ça. Génial. Ok, donc bon, on a fait tout ça pour pas grand chose. Moi, tout ce que je veux, c'est essayer de remonter. Ce serait pas trop mal. Ben, c'est ce que je suis en train de faire, non? Soignez-vous. Oui, oui, non, mais t'inquiète, je vais me soigner. Attends. On est pas mal, là. On est vraiment pas mal. Attends. Est-ce que la carte pourrait ne pas bouger à chaque fois? Ok, alors attends, ce qu'on va faire. C'est quoi ça? C'est un feu. Ok. Dommage qu'il n'y ait pas de petite mini-map, tu vois, là, ce serait perfect. Alors, on va aller se soigner. Et après, on va faire ce qu'on a dit. Ouais, le concept est cool, ouais. Mais c'est vrai que comprendre la map, je pense que tu la comprends à la fin du jeu. Hein. Bon, petit coup d'eau. On va avancer. Je vous jure, on va avancer. On va y arriver. Ah, maintenant... J'ai compris. Je dois aller
Ici, donc, derrière. Et je dois prendre l'arche. Ok. Derrière, et je dois prendre l'arche. Et oui, parce que la dernière fois... La dernière fois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été là-haut. Et là-haut, c'était pour vaincre la brute. Alors que là, je dois aller là. Ben voilà, en fait. Oui, oui, je dois aller là. À condition de pas crever, quoi. Et, ah, par contre, si on était intelligent, tu vois, on ferait genre, on tirerait. Voilà, tu vois, comme ça. Et puis, comme ça, ça nous aiderait à passer, tu vois, plutôt que de tomber comme un gredin. Alors, vous, je vous avais pas calculé à la base. Ah oui, c'est contre vous que... Ok, mais et là... Attends, mais... Deux secondes, non, mais je vais pas me battre sur un bout de bois. Je veux juste... Ok, là, ça marche. Très bien. Eh ben... What does the Empire want with a backwater planet like Kobo? Je préfère les maps qui sont pas en relief, plus évidentes je trouve. Ouais. Ou alors, même, tu sais, tu peux avoir plusieurs niveaux, mais la map, elle est... Ouais, elle est plate, quoi. Très content de ne pas te voir utiliser les deux sabres, en tout cas. Scan, si je ne les utilise pas, c'est parce que, justement, sinon, je vais me faire encore plus foutre de la gueule de ta part. Quoi ? Hein ? Non. Oh non, 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 non. Non, non. Non. C'est possible, ça ? Oh, la coupe de cheveux ! Ah, dis donc. Ça fait peur, non ? Ah, ouais. Mais attends, je comprends pas, là. Ah oui, j'en ai qu'un, ouais. Ah oui, j'en ai deux. Non, 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 je suis pas habitué, non. Ravitaillement impérial destiné à l'escadron 13. La cargaison était déjà bien maigre à son arrivée et les rations étaient déjà épuisées. Ses troupes étaient désorganisées, démoralisées et désespérées. Et pas la coupe mulet. Oui, je prends un avion pour le Canada et je viens taper. Non, non, t'inquiète pas, on va pas faire ça. Voilà, bon. Oui, bah c'est ça. Bon, là maintenant, on va juste tout droit et puis bah, on explore. Quoi. Let's go. Alors, ok. Il dort ou il est mort? Je pense plutôt qu'il dort, hein, parce qu'il respire, donc... Bon, c'était un entraînement tout à l'heure, donc maintenant, let's go, move out. Je suis pas assez rapide, moi! Non, mais comment tu esquives ça? Explique. Sur moi. Non. Mais comment tu esquives cette... Non mais j'arrive pas à voir quand il m'a attaqué. C'est fou, je n'y arrive pas. En fait, il faut aller de l'autre côté. Ok, d'accord. Non, non. Mais à chaque fois tu fais quand il faut pas, mon gars. J'y arrive pas. Mais tu peux le faire quand, genre, j'ai le temps, quand je suis pas en train de t'attaquer. Ce serait plutôt sympa. Voilà, voilà, c'est très bien. Non, mais c'est bon, je commence à comprendre un peu. Non, mais... Quand je te dis de reculer, recule, Cal. Je suis en train de le tuer dans les airs, là. On est en train de voler. Non, mais c'est la force. Voilà, il a les papates qui pendouillent. Voilà, ça, c'est beau, ça. Regardez, je le fais voler par la force. Voilà. Bon. Est-ce qu'il touche le sol, au moins ? Ouais, peut-être. Hein. Il fait la grue. Voilà, il est comme ça, là, il fait la grue. Il est bio. Mais co-bio. Je
pas la seule à me plaindre de la lenteur de Cal au moins. Oui, mais là on va me dire, bah oui, mais prends un sabre normal, ce sera peut-être plus rapide. Ah bah non, je crois qu'on a vu que c'était les deux sabres qui étaient plus... Une chose cool par rapport au premier, certaines attaques doivent être esquivées en sautant. Ouais, d'accord. Ah, c'est un moyen de me dire qu'en fait il fallait que je saute. Oui, effectivement, c'était pas bête ça de sauter. J'avoue. Ok, et puis on se... Ouais, c'est vrai. Pauvre créature condamnée à rester en lévitation. Bah oui. Bon, au moins, ça va, il se fera pas bouffer par les asticots, quoi, par terre. Le jeu est plus punitif sur cet aspect-là. Si tu fais un move, tu peux pas l'annuler. Ouais, ça c'est vrai. Mais en même temps, bah au moins, c'est plus réaliste, quoi. Donc, pardon, moi je visais ça, là. Mais j'ai pu faire ça sur une pierre. Genre, en fait, j'aurais pu lui lancer des pierres, j'aurais pu faire genre ça, et tiens, prendre dans la gueule. Mais oui, c'est vrai. Et ça, là. Je sais pas si j'aurais pu lui faire tomber sur la tête, par exemple. Oh, d'accord. Ah oui, là. Non. Oh, pas mal. Ok, j'aurais pas pensé. Végétation trop bien faite. Ça m'est arrivé la première fois, j'étais mort. De quoi? Tu te fais... Ah oui, tu veux dire... Ouais, je vois. Tu te fais agresser même pas les roches. Cette planète est vraiment trop dangereuse. Je fais oui, mais je me suis fait agresser. Je me suis moi-même agressé, en fait. Je me suis lancé une pierre dessus quand même, faut le faire. Ouais, c'était quoi ça? What? Je peux les tuer? Non, je peux pas. Hein. Mais est-ce que je meurs? Faut que je saute pour m'en débarrasser? Mais c'est... Qu'est-ce que c'est que ça, là? On dirait... Ça me fait penser à un truc dans un univers ou dans un jeu, mais je sais plus quoi. Ok, alors attends. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec la force? Parce que la force, elle est en tout. Donc elle doit être en ça aussi. Si la force, je lui dis dégage, ça dégage, non? Ouais, mauvaise réflexion. Ça peut pas se tuer si c'est pas vivant. Mais comment tu peux savoir si c'est pas vivant? C'est le Covid version Star Wars. Ah mais oui, c'est à ça que ça me faisait penser. Bon, je suppose que ça, faut le faire tomber. Non, faut faire Crash Bandicoot. Ah, attends, il y a un petit truc à looter là-bas. Wow. Maybe Z could tell us more about this. Disque de données. Très bien. Le Covid, il a changé. Bien. Wow. Alors, attends, ça... Mais... Pourquoi il s'accroche pas... Voilà. Ok, donc bon, si on va là, tout va bien. Descendre sur le mur. Ensuite, là, il faut s'accrocher. Ok, donc là, c'est en train de me faire peur. Et là, ça va se casser. Ah! Oui, vas-y, scan. Bah tiens, bonne idée. Poussière de Kobo. Ah, c'est pas si beau que ça, Kobo, alors, hein. Une matière hautement volatile propre à ce système de la galaxie. Sans analyse plus poussée, les éléments qui composent cette substance gazeuse restent un mystère. Rends mes disques de données, il y a mes vidéos bizarres dessus. Non, on va les garder. Bon, donc on sait pas ce que c'est. Hein. Ça gravite autour de quoi, on ne sait pas. Pourquoi c'est là et pas ici, tu vois? Genre, pourquoi c'est concentré là? On ne sait pas, je vois un bout de bois par terre, mais je m'étonnerais que ce soit lié. Je pense que je peux... Enfin, c'est en face que je dois aller, c'est ça? Non. Non, c'est derrière. Ah, d'accord. Ok, mais... Ça roule, ça? Bon, on va voir. De toute façon, là, je dois aller contre le mur. Mais non, pas tout de suite. Non. Quoi? Ok.
Alors ça m'atteint même quand je suis pas au sol. Bon, j'ai pas fait ce qu'il fallait, mais au moins j'ai réussi. So this is the work of Santari Cree. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est bien. The story is true. The key to Tantalor should be around here somewhere. Ah oui. Et ta petite musique. Le fond exprès, tu vois. C'est... Ah, ah, c'est bien ça. Et mais c'est entouré de gaz de kobo là. I need to center myself. Bon, déjà on va se reposer. Parce que bon, on perd toute notre vie contre. J'ai un point de compétence, mais je peux pas l'utiliser là. Pour le moment. Bah là, je sais pas trop à quoi ça servirait d'aller là. Je suis sûr que. Tu vois, genre là-bas par exemple, ouais. Tu pourrais faire un petit quelque chose par exemple. Tu pourrais genre. On fait taillot ou on fait pas taillot là? Moi je ferais bien taillot, mais. Hein. Taillot. Ouais. C'était pas. Pas joli, mais. Waouh! Attends. Mais ça me. Ah, ça sert à ça. Je vous jure, si c'est un disque, un de tes disques de données, la scan. Je suis pas venu là pour ça, moi. Et encore moins une coupe de cheveux. Ouais. Chasseur, ça ressemble à quoi? Ferrailleur, ermite, tactique, survivant, pas de veste. Mais c'est quoi qu'on a eu? Ah, c'est ça. Chasseur. Ça, c'est celui de base. Oh, le chasseur, je trouve cool. Ok, bon, non, bon, ça va. Bon, mais maintenant. Ah, ok. D'accord, donc en fait, tu veux me dire que, en fait, on pouvait passer par là, en fait, à la base, non? Non, parce que sinon, j'aurais pas pu l'atteindre, de toute façon. Ok, donc, bon, là. Alors, c'est joli, la ville, hein. Qu'est-ce qui. Ah oui, c'est ici, très bien. Un petit peu de plateforme, c'est. This place must have been abandoned. Tu m'étonnes avec ce gaz-là, c'est un peu obligé que ce soit abandonné, non? I guess she didn't forget. All these years later, she never gave up on her mission. We can't let her down. Considère que canoniquement, Cal porte des vêtements roses et un sabre violet. Canoniquement en plus. Ah oui, toi t'as pas froid aux tes yeux de droïde. Oula. Ça grogne. Et Bidi tout rose aussi. Oui, évidemment. Ouais, ça grogne et ça a des ailes. Ouais, ça a des griffes, un bec aussi. Peut-être rester caché, non? Ah oui, c'est un gros bec. Ah oui. C'est un... Comment on appelle ça? Examiner. I think that creature is trapped. Ah, I can't cut it free. Let's pass under it for now. Attends, oui, si je la libère, elle va devenir mon amie, non? Ouais, un piaf, quoi. Non mais tu sais, c'est des genres de d'oiseaux comme ça, tu sais, à la fin de, du livre de la jungle, il y a des oiseaux comme ça, je sais pas comment ça s'appelle. Ils ont pas un bec comme ça, évidemment. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est un gars qui préco Jedi Survivor, ça je reconnais. Qui préco? Comment? Comment tu sais? Donc ça c'est un raccourci, très bien. Le pigeon ultime. Bah, oui, mais de toute façon, il me semble que je l'ai préco. We'll have to find another way around. Ok, porte verrouillée. Bon, moi, la logique me dit que je peux grimper là. Une bonne logique. Plutôt une bonne logique pour le moment. Ah, il est fort hein, pour suspendre comme ça là. Tu l'as préco et tu. Aïe! Et tu joues maintenant? Oui, oui. C'était prévu ça? Ouais, je pense que c'était. Might be able to help it later. Le Piazza est l'un des prédateurs dominants de Kobo et règne en maître sur les cieux et les plaines de la planète, terrorisant toutes les créatures qui ont le malheur de se trouver sur son chemin. Cette créature nomade se
pose rarement et son installation temporaire près du complexe forestier semble indiquer qu'elle est blessée ou en détresse. Et donc ça s'appelle le Piazza. Le Piazza. C'est le Piaf mais en mode italien. Le Piazza. Et là, il y a pas d'ennemis. Oui, bon, à part cela, là. Non, mais qu'est-ce que... Mais je veux pas déclencher ça. Non. Mais... Ok, donc je déclenche... je déclenche ma rage pour un petit piaf. Et que moi qui se pose... Ah si, il y a des ennemis. Il y a que toi qui se pose pour lire chaque entrée de codex à chaque nouveau scan. Bah là, je le fais surtout parce que tu me l'as imposé. Je sais pas si je le ferai à chaque fois, mais là, ce que je lis depuis tout à l'heure, c'est intéressant. Bon. Ah oui, mais je me rappelle de lui. Il est déchaîné, lui. Ah non. Oui, ça, fallait sauter, je sais. Oh non. Ah oui, là, c'était primitif. Ouais, bon. Mais non, c'est pas vrai. Oh là là, comme... Mais il a fait mal, là. Il m'avait plutôt fait du mal. Bah là, il m'a fait du mal, hein, mais je veux dire, il m'avait tué plusieurs fois. Et là, je l'ai quand même eu, même si... Bon. Petit Wampa tout mignon. tout mignon. Je t'aurais bien vu l'affronter, tiens. Encore plus vénère que celui de l'Empire contre-attaque. Ben, oui, mais encore, tu l'as pas vu me choper, parce que s'il me chope, c'est une poupée, quoi. Déjà plus de skills sur Wellstone, sur Géo. Non. You can't say that. I've never seen tech like this before. Alors, on va faire plaisir à Scan. Télescope du complexe auxiliaire. Ces générateurs chargent l'air avec des courants d'énergie portés à des degrés d'excitation très élevés, d'une puissance et d'un danger comparables à ceux des tempêtes ioniques interstellaires. En jugé par la couche de rouille et de végétation qui recouvre presque toute la structure, ils n'ont pas servi depuis des décennies. I scrapped some serious machines on Braca. Bon, on avance. On est blessé, mais on avance. Est-ce que il y a d'autres moyens de trouver des steams autres que se reposer? Ah, attends, il y a un petit truc là-bas. Il y a une petite coupe de cheveux. Ah, c'est bleu. Est-ce que, en fonction de la couleur, ce serait une sorte de type de... On va essayer de retenir. Là, c'était bleu, et on a un truc de sabre. Je me trompe pas, hein. Interrupteur, c'est l'endroit où tu démarres le sabre. Ok, donc bleu, sabre. On va voir si ça... Si ma logique fait du sens qu'on fasse obligé, d'accord. Ok, qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce que c'est? Scanner, vas-y, scanne-moi tout. Allez, scanne tout. Biggie, je vais l'appeler Scan. On a vu ce genre de technologie, mais pas à une telle époque, quoi. Un curieux exemplaire de technologie Jedi à l'époque de la Haute République qui stabilise. Ça parle de Haute République, c'est intéressant. Concentre et amplifie l'énergie potentielle et instable stockée dans les orbes de Kobo. La couleur, c'est la méthode de déblocage d'un coffre. Bah, depuis toujours, ça a été gris. Là, c'est la première fois que j'en voyais un bleu, non? Peut-être, ok, t'as peut-être raison. Enfin, tu as raison, mon ami, parce que tu connais mieux le jeu que moi. Alors... Okay, attends.
sympa. Just like these chambers. Ah oui, dis donc. Oh, ça. Et si je passe dedans, ça me tue? Est-ce qu'on met la main sur le feu pour voir si ça brûle? C'est toujours bleu pour cela, d'accord. Le bleu était plus foncé sur GFO. Ok. Je suis grave en retard sur la Haute République, j'ai respectivement un roman et 4-5 commis. Ah, tu sais, moi aussi, j'ai lu deux romans et la moitié du troisième, quoi. Il y a un ennemi là-bas, là. Bon, on va essayer. Ça ne me tue pas. D'accord. Bon, là-bas, c'est un espèce, c'est un piaf, non? Bon, on va se reposer parce que le piaf, il risque de me... se reposer. Ok. Alors, ça a l'air de tuer l'espèce de gaz, quoi. Hein. Enfin, du moins de le repousser. Ah, donc là, faut se battre avec du gaz autour. Très bien. Wow, calmez-vous les mecs. Mais non, mais... Non. Presque envie de méditer, mais bon. On va pas faire ça. Il y en a un autre? Il n'y en a pas d'autre? Je vais essayer plus... Ah oui, je te comprends. Bon, là, on va aller là. Oui, ok. Là, j'avais pas vu la plaque, effectivement. On va éviter d'aller sur le truc jaune parce que ça glisse. Là, on va débloquer un petit raccourci, je suppose. Ou... Non, là. No way we're crossing that, still breathing. Bon, oui, voilà, raccourci débloqué, ok. Maintenant, bah, je suppose que c'est là. Oui, ça a l'air d'être là. On se rapproche. Tiens, ça c'est pour scan. Ah, il y a quand même des storms. Oui, mais le storm là. Oui, non, mais de toute façon, ça sert à rien que j'aille le voir. Non, mais ok, je perds juste de la vie pour rien, quoi. Bref, je pense que c'est là qu'il faut aller. C'est bizarre, j'ai l'impression que c'est là, non? Ouais, j'ai l'impression que c'est là, mais qu'est-ce qu'ils font? T'as un speeder? Ah non, j'ai cru que t'étais sur un... Salut. Tu fais quoi? T'as l'air de t'emmerder par contre. Alors, est-ce que je fais le salaud? Oh, j'ai trop envie de te pousser dans le vide. Mais ça sert à quoi ces trucs là? Ça va mec? Tu me vois? Salut. T'es déprimé? Ah voilà, je me disais, tiens, un baptême de l'air. Attends. Non, mais là, à mon avis, il faut un truc là. Il faut un truc spécial. Le pauvre, oui, non, mais baptême de l'air, il apprend à voler un peu, non? Plus vivant. Oui, mais bah, je croyais qu'il était en pleine déprime, moi. Je voulais l'aider. Bon, il m'attaque alors, qu'est-ce que tu veux? Je l'ai aidé, quelque part, si il déprimait. C'est dégueulasse. Alors, vers quoi on arrive là? Repère de Crash Bill. Eh bah, ben, c'est pas rassurant tout ça. Ça c'est fusion faune majeure. Maintenez R1 et appuyez sur rond pour désorienter les créatures de grande taille. Les adversaires confus attaqueront certainement les autres. Ah oui, c'est vrai que ça j'utilise jamais. J'utilise vraiment jamais.
Non, je médite. C'est quoi mon prochain, ma prochaine compétence de sabre? Elle vaut 2, ok, d'accord. Elles valent toutes 2. La confusion, personne n'utilise. Bon, ça me rassure quelque part. Est-ce que je peux faire quelque chose dans la survie? Oui. Vous n'avez pas encore rempli les prérequis. Ah, faut que je fasse ça. Cal récupère plus de santé lorsqu'il utilise... Ça, c'est quand même bien, ça. Hein. Ah, j'ai envie, là, quand même. Ouais, ça, je vais le faire. Oh, ouais. Ah, ça me paraît quand même... Et en fait, moi, je fonctionne comme ça. Si c'est quelque chose que j'utilise et qui peut m'être utile maintenant, je le fais. Genre, à chaque fois, je tombe contre des ennemis, j'utilise un Steam. Bon, ce que ça me remplit, c'est pas top top, quoi. Surtout que souvent, avant d'utiliser un Steam, j'attends bien d'être presque mort. Donc, non, ça va être utile. C'est bien dommage, c'est un pouvoir très sous-coté. Ouais, mais après tu te dis, ah, contre qui je peux le faire, contre qui je peux pas le faire, c'est un peu complexe, quoi. Bah après tu vas me dire, faut tester, mais... Ouais, j'y pense pas, quoi. Ça c'est quoi? C'est bloqué, ça? Bah oui. One way door. Bon, très bien. On fait un peu des détours, mais on se rapproche. Allez, doucement, là, hein. Oui, ça s'améliore. Oui, c'est vrai. Mais là, ça s'est amélioré, genre, tu vois, sans que... Ah. C'est pas dans le truc de compétence, quoi. Ça. Et si je fais carré, ça fait quoi? Bah, ça a l'air de rien faire, je pense. Non, mais ça, c'est bien, quand même. Oui, mais après... Il va être contre moi, après. Examiner. Bah, à part si je passe pendant qu'il les attaque, non? Je peux le faire combien de fois, combien de temps? Mais s'il me voit, il m'attaque ou pas? Moi, j'ai envie de dire... c'est mon ami, on trace, let's go. Ah, je suis plus ton ami maintenant? Ah si, voilà, très bien. Salut gros Bill, enfin je sais plus comment tu t'appelles, mais... Non. Mais c'est fou, ça. C'est fou, tu fais tout pour... Ça fait quoi si je fais ça? Ça fait rien. Ok. Mais quoi? Mais je t'ai pas demandé de m'attaquer, moi. Non mais attends, c'est abusé, là. C'est pas un peu abusé? Et moi... Non mais moi je voulais juste me casser, quoi. C'est où qu'il faut se casser? Là, voilà. Et là, on fait comment là? Voilà. Aïe. Moi je voulais être tout gentil avec lui, je voulais dire bon vas-y, tue les autres et puis bah moi je suis tranquille, mais non. Ouais, je vois ce que tu veux dire, Scan, les gens disent c'est nul de base, donc... Ouais, mais regarde. Là, ça a été utile, mais par contre, quand t'es tout seul, c'est pas utile, quoi. L'amitié la plus courte de l'histoire. Ça, c'est vrai. Bon, par contre, en fait, je suis venu là, mais... ah, oui, d'accord. Encore une question de végétation. Oui, là, très bien. Il me fait peur, Cal. Je sais pas où on va, mais on y va. Hein. Qu'est-ce que c'est? Ah d'accord, c'était ça. Oh, il est mignon. Oh, il est mignon, on dirait un hibou, chat, écureuil.
What? I don't know what else to say. Ah, Seer, I thought... No, you didn't think. You perceived a threat and reacted. If the Order had reacted faster, we'd still have a Republic. The Empire, the Haxine Brood, half the galaxy wants us dead. Yes. The odds are against us. But they will always be against us. Cal, you can't fight your way out of some situations. Voilà, c'est ce que j'ai fait avec l'autre. Je me suis dit, le combat n'était pas adapté à la situation, du coup je l'ai laissé tranquille. C'est elle après qui m'a attaqué. Bon, on va l'apprivoiser. Parce qu'il est mignon en plus. Hein. Oh oui, t'es mignon. Il a même scan, il t'aime bien. Par contre, je suis pas trop lourd pour toi. Commande de vol. Bon, on va les apprendre au feeling. Hein. Non mais attends, mais si on peut planer, c'est bon. Si on peut planer, il n'y a plus de problème en fait pour savoir où aller. C'est Jedi qui voit à vouloir éviter les combats. Ah oui, qu'est-ce que tu veux. Alors attends, wow. Là je monte. Ok, là je monte quand je fais ça. Ouais, ok, enfin je... Oula. 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 Je sais pas où il est passé, mais... Et par contre, je peux le summon un peu quand je veux ou non? J'ai pas l'impression. Bon, ça, je suppose que c'est encore une porte fermée. Ou alors un raccourci. Ça doit être le raccourci, oui. Ça, c'est bien. Mais je me repère quand même, non? Pas besoin de la carte. C'était passé, ça. Reposer. Je vais côté obscur pour le noob. No. Le chat chauve-souris écureuil a beaucoup de force pour supporter le poids de Cal. Ah oui, non mais il me semblait un peu petit. Tu sais, je me suis dit, est-ce qu'il peut... Non. Toi. Oh, je l'ai décapité. Bah là, ça me fait de la peine, hein, quand même. Ah, il est là, lui. Tiens, va dans la nuée. Va dans la nuée. Ça te fait rien? Ah si, je le disais aussi quand même. Non mais c'est une expérience, je voulais voir ce que ça faisait. Ah. Eh les gars, j'ai un truc à vous montrer. Genre, venez. Non mais venez. J'ai fait une nouvelle expérience. Venez, venez, venez. Ah oui, mais toi t'as... Ah, t'as... Vous êtes pas drôle. Non mais vous êtes pas drôle. Aïe. Non, voilà, je peux plus utiliser. Parfait. Oh et oh. Merde, ah bah oui, je le fais à 3 km bien sûr. En fait, comment on les tue? J'ai pas compris. Ouais, d'accord. Bon, ok, 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 ok. Bon, il y en a aucun qui a voulu tenter l'expérience. Pff, déçu quand même. Et donc, qu'est-ce qu'il y a ici? Oula! Quelle réaction! Ah ouais, donc effectivement. Cette entière structure est l'array. Qu'est-ce que c'est pour? Ok, ok. Et qu'est-ce que tu fais là? Salut. Quoi? Mais j'ai pas ce que je veux faire. Bon, tant pis. C'est L1 R1 pourtant, mais je fais jamais ça. Je t'en sors très bien sur le timing des... Attends. Attends, attends, y a Scan qui fait un compliment là. Mais t'es pas censé être mort toi? Je t'ai envoyé là-dedans là. Bon, t'en fous apparemment. Attends, je suis en train de te faire mentir, Scan, donc. Voilà.
Ça sent très bien sur le timing des parades en tout cas. Eh ben merci. Plaisir. Nice job. Bon, je suppose que lui, je dois le faire pointer là-bas pour me frayer un espèce de petit chemin. Alors pour faire ça, il faudrait déjà me faire pivoter. Ouah ! Non ! Ah non ! Non, 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 ok, je viens de comprendre. Attends, bah non. Non, j'ai pas compris. Ça tourne ! C'était un tourniquet ! Attends, et ça là, c'est un raccourci ? Ce serait quand même dommage de... Non, je suis sûr que c'est là où on doit aller, non ? Oui. It won't open. Ben, si. Est-ce que je dois m'insurger ou... Si la porte, elle est verrouillée, enfin, je veux dire... Enfin... Tu vois, tu montes là, puis tu double sautes. Non mais Kishni, c'est un jeu. Oui, je sais, mais... Bah. Allez. Allons en arrière. Coucou le gaz. Oh, punaise, non. Non, mais c'est pas vrai. Oh. Comme toi, Scan, je déteste cela. T'avances bien en vrai, le début était un faux départ. Oui, oui, non, mais c'est toujours comme ça, faut le temps que je m'y remette. Mais merci. Attends, mais. C'est un raccourci, ça. Attends, il y avait pas un truc pour sauvegarder là. Ah, si, voilà, là. Pourquoi je fais à chaque fois carré là ? Let's stop here. Mais là, normalement. Attends, c'est quoi le problème là ? Parce que là. Let's move, BD. Parce que là, il n'y a pas de problème là. Cette fois, hein, vous allez pas me la faire. Non ! Pour des bons nuggets, ça c'est bien ça. J'aime pas les nuggets. Non mais est-ce qu'on est étonné? Attends, il y a quoi là? Non. Looks old. So you might want to take a look at this. Un disque de données. Ouh. Non mais ah oui c'est vrai. Forcément t'as réapparu toi. Non, non. Non, mais... Si je peux le faire tourner, on peut vraiment aller n'importe où avec ça. Non, mais ça tourne toujours dans le même sens. Ouais, mais alors ça, par contre, c'est pas cool. Ah, non, j'ai compris. Tire vers moi et ça fait tourner comme ça, ok. Bon, peut-être qu'on aura plus de chance de ce côté. Ah bah oui, c'est vrai qu'il y avait ça qu'on devait faire. J'avais oublié. Attends, mais c'est... Ah mais oui, c'est nous qui l'avons libéré. De toute façon, tu peux me remercier, non? Ou... Bon, dans tous les cas, on va pouvoir faire ce qu'on voulait faire. Je crois qu'on n'est pas étonné. Hein. Pas avec Scan. Okay, allez, vas-y, tu peux y aller. Je suis peut-être fatigué, mais tu peux y aller. Là, on peut monter. Hein. Ok, ok. Toucher ici. Très bien. Okay. Vous avez rien vu, tout va bien. Ah, mais... Non. Non.
Enfin, j'ai vu quelque chose. Vous voulez que je m'accroche quelque part? Quoi ça? J'ai vu un truc là. Ah oui, là. Ah, mais il y avait un établi ici. Et allez, c'est bon, je vais me faire la vie. Et allez, bah oui, bah oui. Bon, allez. Et... Ah non, mais c'est bon. T'inquiète, j'ai compris. Mais pourquoi ils me font refaire le tour? Pitié. Ces putains de poulets. Mais oui. Mais genre, pourquoi? Pourquoi je peux pas aller là-bas directement? Bon. Allez, venez là. Oh oui, génial. Non, 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 moi je. Non, moi ça je ne supporte pas. Non, non, je ne supporte pas. Ça ne passe pas. Non, non, ça ne passe pas. Je suis désolé là, non. Il y a des limites. Elle était bien sortie tout à l'heure. Là. Oh là. Et si je vois même pas mes propres raccourcis, comment on va faire? Ah mais fou. Il faut vraiment faire tout ça rien que pour... Ah non. Ah non mais fou. Oh. En même temps, il meurt là où je suis mort. Franchement. Faut être patient, oui. Oui, 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 oui. Ah, bon, patient. Attends. Là, on est d'accord, là. Hein. Mais attends, mais il m'a pas attaqué tout à l'heure. Bah oui, parce que vous avez attiré. Ok, vas-y, tu veux me tirer dessus, toi? Ok. Tu peux y arriver. Bon, ça ne tirera pas comme ça. Tout à l'heure, je l'ai fait du premier coup. Hein? Bon, puis cette fois on va tâcher de pas mourir quoi. Tiens. Il me fait peur lui là. Il meurt pas donc si je le mets là. Ah oui, tourniquet en même temps c'est pas mal. Et là, tu meurs pas là? Voilà. Bon. Ok. T'as juste... T'avais un raccourci? Quoi? Non, arrête. Mais où j'avais un raccourci? Ah bah là, va falloir me le montrer s'il y avait un raccourci. Et t'aurais pas pu me le dire avant, quoi. Au lieu que je me retape tout ça, quoi. Non, non, tu voulais que je m'entraîne, en fait, contre les poulets. Tu voulais que je me fasse chier contre les poulets. Ah, de toute façon, je suis le seul à mourir là où on est mort. Ok, d'accord. Ah, mais on va vraiment pas y arriver, en fait. Bon, on va faire ce que le jeu veut, hein, et on va aller au bout.
si on fait pas ce qu'il veut, on n'ira jamais jusqu'au bout. Voilà. Est-ce que c'est suffisant? Oui. Là, c'est encore bleu. Bon. Ok, je comprends. Ok, bon, là, c'est une tenue. D'accord. Le bas de la tenue de chasseur qu'on avait. Bon, va falloir que j'apprenne à vous contrôler, vous. Faut juste que j'aille en face, ça devrait aller. Ah voilà, ça c'est pas mal. Je devrais me servir de l'autre qui tire. Pas mal. Bon, on se débrouille. Yamete Kudasai. Oui, ça c'est ce que j'ai envie de dire aux Stormtroopers. Ça va, Clo? Bon. Hey. On va y arriver, non? Raccourci débloqué. Bon, bah, et. Hey. Oui, mais c'est là que je dois aller. Là-haut. J'ai arrêté de faire des conneries, hein, hein. You're so pretty today. I'm good in your... thank you. Thank you, I'm just with a simple t-shirt. I'm not coiffé, not at all. Ah, je pense que tu n'entends pas tes propres alertes, Kishni. Ah ! Non, c'est vrai ! C'est vrai ! Attends, qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, parce qu'en fait, pour que je les entende, il faudrait que j'ai... Mais là, j'ai pas de truc au niveau de mon activity feed, là. Mais si, en fait, je devrais pouvoir les écouter... mais en fait, il faudrait que j'ai un casque. Ah, t'as Cheers? Mais en fait, j'ai jamais compris. Explique-moi la différence déjà entre... Bah non, mais il y a que des Cheers, en fait. Et c'est bizarre parce que d'habitude, c'est marqué. Et là, c'est pas marqué. La dernière fois que t'as Cheers, c'était le 26 novembre. Moi, ça me marque. Mais normalement, quand tu Cheers, t'as une petite musique avec Yoda. C'est ça que vous avez eu, non? Ouais, normalement, il faut que j'ai un casque sur les oreilles, mais moi, je trouve ça très désagréable de d'avoir un casque longtemps sur les oreilles. J'arrive pas à m'y faire. Donc, j'évite, en fait, quand je peux, j'évite. Mais normalement, je devrais pouvoir écouter mes alertes, mais peut-être que si je fais ça, j'écouterai le son du jeu en double. Je fais voir. Ouais. Ou sinon, il faudrait que j'enlève le retour de mon côté. Mais que le retour du jeu. Attendez. Attendez, on va tester un truc en direct. Hein. On va tester un truc. Parce que peut-être qu'on pourra, pallier à ça. Tiens, ce que tu vas faire, Claude, je sais pas, est-ce que c'est payant de cheers? Parce que si c'est payant, non, tu ne cheers pas. Mais si c'est juste utiliser des points de chaîne, attends, fais-le pas tout de suite. Parce que moi, je sais pas du tout ce que c'est un cheers. Hein. Je sais pas si c'est payant, je sais pas si tu utilises tes points de chaîne. Voilà, Elgato. Et là, je mettrais genre monitoring uniquement. Ah non. Non, j'entends toujours. J'entends toujours. Et si je fais ça... Ah non. Non, j'ai... pas moyen, parce qu'en fait il faudrait que j'entende pas mon jeu,
mais que j'entende mes alertes. Ouais. Shut up, you look nice, bestie. Thank you. J'ai Cheers. Non, c'était il y a 2 minutes. Oui, on l'a vu. T'es au courant que Cheers, c'est payant. Puis que j'en ai payé genre 32. Mais faut que genre t'arrêtes, en fait. Pourquoi tu fais ça, en fait? Je veux dire, fais le pas. Bah, c'est gentil, mais fais le pas. Pas toi. T'as pas de revenus qui me permettraient de me dire oui, ok, c'est bon. Ben voilà, je t'ai donné la raison. Même si c'est gentil, fais pas ça. Je vois que tu lui donnes de l'argent à lui, mais pas à moi, bip. Ouais, mais pour le... Faudrait que je trouve un moyen, quand même. Ouais. Faudrait que je trouve un moyen. Faut que tu streames plus souvent. Gang gang, comme nous dit Ced. Ouais, j'ai pas l'impression que... Ah, à part si... Attends, je tente un truc. Ouais, mais non, ça va pas le faire. Non, mais non, parce que là, vous entendrez plus rien. Là, attendez. Confirmez-moi, là, vous entendez plus le jeu. Mais par contre, moi, je l'entends. Donc, si jamais... Là, vous me dites, là, normalement... Ah, vous entendez le jeu? Si, mais, non, il n'y a pas de musique. C'est juste très faible. Non, mais c'est bizarre. Ah, là, vous entendez plus rien. Ok. Ouais. Ouais, parce que c'est sur le même canal. Ouais, c'est sur le même canal. Donc, je peux rien y faire, en fait. Soit je coupe tout, c'est soit... Bon, après, tu vois, si, par exemple, j'avais plus de personnes qui venaient souvent, qui s'abonnaient ou qui machin, je pense que je mettrais un casque. Mais là, vu que c'est vraiment de temps en temps, j'en ai pas vraiment besoin, quoi. Ou alors, faudrait que je réduise un peu. Peut-être que là, j'aurai une chance de les entendre. Tu veux voir, là? Attends. Là, j'aurais peut-être une petite chance de les entendre. Après, mon écran est pas très loin. Je devrais y voir quant même quand ça arrive, mais bon. Tant pis. C'est payant, oui. En fait, Cheers... Attends, je vais augmenter la luminosité. Ah oui, ou des bits. Voilà, c'est ça. Il me semblait qu'il y en avait deux. C'est de l'argent numérique. En gros, c'est une autre façon supplémentaire de soutenir les streamers. Ok. En gros, sur Twitch, tu as la possibilité d'échanger ton argent en Cheers. D'accord, mais alors ça veut dire que t'as déjà des Cheers, en fait, qui ont été échangés en argent clos. Donc tu décides de me les donner... Parce que tu l'as déjà fait, mais j'espère que t'as pas échangé de l'argent exprès pour me donner des cheers, ça, par contre. Enfin, pas que c'était destiné à moi, quoi. Que c'est de l'argent que t'as converti en cheers pour d'autres streamers, et puis bah, il t'en reste et tu m'en donnes. Ça, on va dire, je tolérerais, mais bon. Merci, Weston, de l'explication. Mais t'inquiète, c'est pas grave, je cheers. Prochain live. Pour te donner une idée, 1000 cheers, c'est en gros 20 euros. Ah ouais, quand même. Et t'as vu, Scan? Je n'ai pas mis la pause pour pas qu'on soit dans les menus. Intelligent, le mec. J'en ai acheté 100 ou 200. D'accord, bon. Ça fait 2 euros, quoi, si t'en as acheté 100. Ouais, voilà, c'était pour Brian. C'est ce qui me semblait. Bon. Est-ce qu'on va s'en aller de Kobo? Ou est-ce que ce n'est que le début? Non pas que je veux m'en aller, hein, mais bon, on a d'autres choses à voir aussi. Laissez-moi comprendre. Il y a ce machin.
le beau Brian. Oh, les débris là-haut, là. Je stream semaine pro, si tu me donnes pas de monnaie, t'auras pas... Par contre, Clo, tu sais pas, hein. Peut-être que son prochain live, le jeu commence par G. Je sais pas, mais là, ça m'étonnerait que tu voudras Cheers si jamais ça commence par G, tu vois. Et... Ah, tu sais pas, c'est pas ce qui peut se passer, quoi. Bref, qu'est-ce que je fais, là? Attends, on va réfléchir un peu. Réfléchissons. Il y a ce machin là. Mais il y a l'air qu'on peut rien y faire. Est-ce que c'est genre juste évident et c'est moi qui ai pas suivi un truc ou. Il y a quand même un truc là pour aller directement là-haut. Hein. Quand même méga pratique ça. Le but c'était de venir là. Très bien. Mais d'accord qu'on peut pas monter là-dessus. Ok. Ah. Oui. Bon. Pas grand chose ça. Attends, mais il y a une alerte là ou quoi? Voilà, j'ai pas vu. Bah merci Wellston d'avoir utilisé ton Prime. Mais j'ai pas vu. J'ai rien entendu. Normalement, il y a une alerte. Vous avez vu quelque chose? Pense à ce que t'as utilisé avant. Pourquoi ton Twitch a lag quand t'allais me dire de quoi? Vous non plus? Ah t'as quoi? Y'a rien eu? Mais non mais pourquoi? Bon, merci Wellstone. Mais... Mais ils sont pétés mes overlays, mais c'est pas possible. Bah non, tout est là. Aïe 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 aïe. Remboursé. Mais oui, en plus ils sont. Enfin, je m'étais fait chier pour faire des trucs bien différents pour tous et tout. Est-ce que ça marcherait que. Enfin, si par exemple tu t'abonnes via Prime, c'est un autre style d'alerte et puis elle est pas faite. Je re ou pas? Ah bah si tu re. Mais... En plus le... Comment ça se fait que le Cheers il marche et pas le... Ouais, je retourne du côté de Streamlabs. Attends, est-ce que je peux pas vous... Bah oui, moi aussi, mais attends, est-ce que je peux pas... Est-ce que si je vais sur Streamlabs... Je peux genre vous montrer ce que ça aurait donné. Genre comme ça, tu sais, on va faire style. Je crois que ça marche normalement. Hein. Mais oui, j'autorise. Allez, mets-moi sur Streamlabs. Voilà. Alerte. Edit. Te fatigue pas, tu pourras le travailler. Non, mais c'est pas que je veux le travailler, c'est que je sais que ça marche. Donc je ne comprends pas pourquoi ça a pas marché. C'est juste ça le problème. Parce que je les ai testés et tout, il n'y a aucun problème. Preview live on stream. Ouais. Tu perds ton temps. Non. Non, c'est là. Subscribe event. Voilà. Là. Voilà. Normalement, vous devriez voir quelque chose. Hein. Bon, tu t'appelles pas Robinet. Ok, donc, voilà. Vous êtes. Mais c'est fou, parce que tu vois, c'est là. Ça marche. Alors, pourquoi? Pourquoi? Peut-être c'est genre le truc custom. Je sais pas. Mais ça, par contre, j'irai regarder tout seul, quoi.
J'irai voir pourquoi. Enfin, quand on. Faudrait que je pose la question. Est-ce que si on subscribe avec Prime, est-ce qu'il y a un. Est-ce qu'il y a un. Il y a une alerte ou quoi que ce soit? Twitch Survivor. Bonsoir. Eh, hey, salut Fredo. J'ai vu ton live. Je passe un peu en coup de vent. Bon Survivor. Eh ben, merci de passer comme ça. C'est, ça fait déjà plaisir. Écoute, si tu restes un peu. Bah, c'est cool. Sinon, bah, écoute, je te souhaite un bon vendredi soir. Bon début de week-end. Hein, écoute. Attends, parce que vous m'avez dit, pense à ce que t'as fait avant. Mais là, il faut pas juste double sauter, là. Si ? Parce que si c'est ça... Après, pense ce que t'as fait avant. Moi, avant, j'ai pas fait grand-chose. Hein. Mais là, si j'y vais, je meurs, là, non ? J'ai juste peur que si je meurs... Je vais encore atterrir, je sais pas où, là. Non, c'est pas là. Robinet TV, j'avais pas vu. Oh my god. Non, mais je suis bredin ou c'est quoi les bails, là? Y a un truc que j'ai pas vu, non? Y a pas le grappin, là? Y a pas une espèce de grappin, là, non? Un symbole de grappin, quelque chose? Bon, de toute façon, je teste, hein, y a que en testant que... Voilà. Moi, maintenant, je suis sûr. Bon. Il est temps d'utiliser ton cerveau. Oui, bon. Moi, j'utilise mon cerveau quand j'ai au moins un minimum d'indices. Alors que là... Comment te dire que... Attends, on va reset le cerveau. D'accord ? On va reset le cerveau. Moi, si je regarde la map... Coupleur d'orbe. Ah, ok. D'accord. Ah oui. Non mais quand même. Oh, fallait le voir. Eh oh. Non mais. Attendez. Bien sûr que je pouvais pas le faire de là-bas. T'es resté là une trentaine de minutes avec la fatigue. Je comprends pas. Oh, attends, reviens toi. Wow. Va où lui? Plus être en live, on me disait que je réfléchissais pas non plus. Mais c'est même pas de réfléchir. Moi, je suis pas d'accord. C'est pas réfléchir. Tu viens là, normalement, on te dit, il y a quelque chose à faire, tu dois le savoir. Bah, non. Moi, je suis d'accord avec toi. Et ça va, j'ai quand même trouvé vite, non? 2 minutes 30. À peu près. Alors, est-ce qu'on peut le faire tourner? Non. C'est pas. Ok, bah, je vais de nouveau être bloqué. Ou pas, en fait, parce que là, quand même... Non, je peux pas sauter là non plus. Après, je veux bien le récupérer, mais si je le récupère... Non, mais je peux sauter là, non? Attends. Il y avait un... Je crois qu'il y avait le grappin. Bon, là, si admettons, je le reprends. Ah, mais il y en a un là-bas. Je l'avais pas vu. Super. Ça m'a dit que je l'avais. Donc je dois l'avoir. Là. Mais... Reviens. Reviens, Bouboule. Et... Bon, faut que je te lance super haut, c'est ça, hein. Compris? Non, mais attends, mais là... Mais pitié. Je reste un peu, surtout si à ouest. Ah. Bon,
Là, c'est même pas réfléchir, là. Hein. Là, c'est viser. S'il te plaît, là, quand même. Ah bah voilà. They're not the only ones interested in the array. Bon, on va se soigner, hein, parce qu'on n'a pas trop le choix. On dirait une plaque de... Tu sais, dans le Sénat, là. On dirait, hein. Searched all over the array, buddy. This is where the fun begins. Oh, ça me fait peur. It has to be here. And if not, maybe Z does have a screw loose. Pété le câble. Bon. Bon, ça y est, je vous vois excité là. Ça y est, quand vous êtes excité, c'est. C'est souvent bon signe, mais pas pour moi. Bon. Non, non, mais vous avez pas spoil. Il prévient juste de ne pas spoil. Bon, je confirme qu'on passe pas Kobo avant 2024. Quoi ? Non, mais attends, c'était 2000. Ah non, c'était le jeu 2039. Mais attends, oh, quand même, qu'est-ce qui te fait dire ça là ? Mon skill par rapport à ce qui m'attend. La clé de Tanalor. Bon, défaites-moi tout ça. I did it. Sounds like the array is powering up. I just some answers. Attends, quoi? Il a juste dit une phrase d'Anakin? Lequel? Quelle phrase? Allez, s'il vous plaît, m'en voulez pas. Non mais... si c'est le « This is where the fun begins » Oui, non mais d'accord, j'ai cru que c'était Cal qui avait dit une phrase. Oh, pétard. Moi, j'étais en train de chercher, mais Cal, il a dit quoi Oui, je vais mettre des trucs, Claude, t'inquiète. On dirait le machin, bah oui. Cuva Bacta, quoi, Dark Vador. Ça va pas sentir bon, ça. C'est là depuis des millénaires, une centaine d'années, du moins. Welcome to Tanalore. Ok. It's beautiful. Remind me not to let you name the next world we discover. Give it time. You didn't like me much at first either. Jury's still out. Hard to believe this paradise was hiding on just the other side of the abyss. Come on. I want to show you something. Renowned Jedi Knight Dagon Gara offers to be my escort on an uncharted world. How could I refuse? Without your guidance, I'd never have made it here in one piece. Oh, careful now. Well, someone might think you've learned humility. Quoi? Oh non. Je suis dans le souvenir, là? Oh, mais attends, ça jase bien, là. Non, mais je vais utiliser les trucs de point de chaîne avec des sons. Et comme j'aurai pas le son dans mes oreilles, au moins je l'entendrai pas. Non, faut que je trouve un truc. Bon. Parlez entre vous. Ça brille. Tu
comprends le mérite de Weston avec son chat qui la déconcentre. Ah mais t'inquiète pas, oui, je comprends, je compatis même. Il n'y a pas eu le sous-titre de la période, mais c'est la période de la Haute République de toute façon, non? Ou est-ce qu'il y a un truc précis Force is strong here. It's just as I told you. We'll build the temple here. Yes. Un bon endroit, ça, pour un temple, ouais. My thoughts exactly. Oui, oui, non, mais je focus sur le jeu, t'inquiète, je vous ai pas lu. Dès qu'il y a moi dans le chat, c'est mort. Oui, oui, non, mais là, si c'est important, non, non, mais moi, dès qu'il y a des cinématiques ou des séquences, tout ça, je me concentre. Hein. Musique là. Bon, qu'est-ce qu'il nous prépare? Oh, it's simply wonderful. Yes, it's perfect. Oui. Des rochers. I've seen the galaxy Centauri. And there are many worlds that the light of the Jedi does not reach. I'm going to petition the High Council to train initiates here. Fontanelo. But it can be so challenging to access. What if something were to go wrong? Our temple will be a bastion for the Order. Here at the Galactic Frontier. The Abyss blocks comm signals. We'll have to invite a member of the Jedi Council to visit in person. Hmm. Ça, c'est une fois qu'ils ont construit un peu le temple, non? Ah oui, oui, c'est bio, oui. Ah, regarde là, la lumière, là. Il avance tout seul. Ok. They've been in there for hours. Council members are not known for their hasty judgments. Especially Master Ronsesis. My duel with the Gendai didn't take this long. You won in the end. Be patient. Not one of my strong suits. Well, if you're going to teach younglings, you had better learn. I have faith in you. So does the council. Trust them to do the right thing. Conseil de décider s'ils font un temple ici ou... Dis-moi que c'est les nihils. Ce serait drôle. Enfin, ce serait super. C'est la première fois qu'on les verrait. Enfin, que moi je les verrais en tout cas. You're not here. You're not supposed to be here. Il me parle à moi? Release me. Please. What? Ah, oh, wow, ok, wow. C'est lui. Il manque un bras. Attends, what? Le mec, il est là, wow. C'est son sabre. Stylé. Il est stylé comme ça en vrai. Bon, il a toujours pas bronzé par contre, mais. Bon, attends, le mec il a plusieurs centaines d'années. Ça préserve du temps aussi la queue à Bacta ou c'est un truc spécial? Oh, il a un respirateur genre à la Vador. Who are you? I saw you. I'm Cal. Cal Kestis.
Ça ne dit rien de façon. You must be Dagon Gera. Yes, I am. You are a Jedi. Sort of. Yes. But things have changed since you've been gone. A Sith Lord corrupted the Republic. Turned it into an empire. He destroyed the Order. They're hunting down those of us that are left. But you're here now. Avec un bras en moins, bon, c'est possible. We can fight them together. Ça fait longtemps, le mec. Pas perdu de masse musculaire en plusieurs centaines d'années. Nickel. J'ai cru qu'il allait faire repousser son bras. C'est bien fait là quand même. Hein. J'aimais pas trop sa tête dans les flashbacks. Alors là, regarde même le corps, putain. Le sable, yes. Les reflets et tout dans les yeux. I am back. Mais est-ce qu'il serait pas dangereux? Quand même, tu sais, je veux dire, tu perds un peu la boule. Hein. Mais tu y es, non? What happened there? How'd you end up here? We were invaded. I held them at bay as long as I could, but there were too many. Vas-y, dis que c'est les Nihils. The battle was horrific. Still, we weren't beaten. Not yet. Not until the Jedi Council gave the order to abandon Tantalor and then refused to counterattack. They gave up on it? Yes. It was my discovery. Donc il est déçu. My home, and they just expected me to throw it away. Ouais, vas-y, voilà, j'en étais sûr. I refused to obey and was betrayed by the one I trusted most. No, stop. Et bah voilà, c'est trop tard. Ah bah y'en a un. Ah oui. Non, mais de toute façon, on pouvait pas quitter Kobo sans que. Bah oui. Et voilà, et voilà. On se retrouve maintenant à combattre quelqu'un de la Haute République. Génial. De toute façon, il avait la tête d'un Sith là. Ça se voyait. Il pouvait pas être bon là. Ouais, trop énervé. Voilà. Bien bon. Attends, hey, du calme, le mec il commence déjà à m'attaquer. Bon, qu'est-ce que vous dites là? Salut Bucky! Eh mais vous en avez dit des choses, dis donc là. Ça va pas bien de parler autant? Ouais, t'as vu ça? He aged fine. Petit fun fact sur Dagon. À l'époque du premier trailer, tout le monde pensait qu'il allait être une version canon de Starkiller ou un Sith à l'ancienne République. D'accord. Tu vois pourquoi des fois les trailers et tout, ça peut. Alors, ça peut être bien des fois hein, de faire prendre d'autres directions, d'avoir des théories. Comment tu vas, Bucky? T'as fini l'anniversaire là? Si on le veut, Bucky. Mais non, Bucky, c'est Scan, t'inquiète. Écoute pas Scan. C'est comme Ori qui dit non. Tu vois, bah, Scan, lui, il fait juste des. Il dit juste des méchancetés. T'as fini la Nive et t'es assez crevé. Bon. Ah oui, bah j'étais en train de travailler, Bucky, je l'ai lu, mais j'ai juste pas réagi à ton pavé, Bucky. Un Weston qui nous fait un E. Mais, ouais, moi j'ai quand même ma question des Nihils, hein. J'y tiens mes Nihils, mais évidemment, à ne rien dire. Ok, donc c'est ainsi que, c'est quoi la phrase? C'est que
que finit la République ou que s'achève là, ou que la liberté, enfin je sais pas trop quoi, là, je sais plus la ligne, tu vois. Bah là en gros ce que je veux dire c'est ainsi que s'achève le live avec un combat comme ça là, mais qui va s'achever dans une heure parce que je vais mettre je sais pas combien de temps à le battre. Bon après il a un bras en moins mais... Non, t'es une artiste, Clo. Sous une pluie d'applaudissements. Ouais, c'est ça. Merci, Weston. Là, par contre, je sais pas si le live va se terminer sous une pluie d'applaudissements. Là. Tiens, je t'ai eu, là. Dagan Gera. C'est la version. Meager. Oh. C'est moi ou il a dit le mot interdit là. Oh mais calme-toi. Je vais couper l'autre bras, moi, tu vas voir. Allez, autre phase. Mais non, attends, mais je suis vraiment con, moi. Non, non, mais attendez. Je suis juste débile. J'utilise mon burst alors que le gars, il a encore... Ouais, ça. Mais non, mais j'apprends. Oh non, ça, c'est fourbe. Trivial. Tonnerre d'applaudissements, non? Ou pas encore? Et il était pas mort, hein. Il va le tuer là, vas-y, achève-le. Après, il était pas... Ça va, il était pas fort quand même. Pour le moment. Je veux pas parler trop vite. Oh, le coup de coude. Ouais, bah là, il a sombré du côté obscur, maintenant c'est fini. Comment il peut avoir des amis alors que ça fait des années qu'il est dans sa cuve là? Vous voyez le mime qui est comme ça? The key to Tantalor. Could Kree have met Dagon? How could she entrust Tantalor to someone like him?
Oui, Jackie Chan, oui. Oh. T'as mis le mot NIG scan, il y a le bot qui t'a dit ouais s'il y a un truc de racisme ou quoi que ce soit. Costaud le manchot. Ouais. Un peu simple, oui. Non, non, j'ai pas baissé la difficulté. Bah, eh oh, preuve, hein? C'est où? Accessibilité. C'est où? Je l'ai passé? Maître Jedi. C'est bon, non? Merci pour le GG, Wellstone. Merci, Fredo. Ouais, c'était ça, c'était le même de Jackie Chan. J'avoue, j'ai pas compris son départ là, c'est qui les autres? Bah oui! Mais oui, Krix, mais oui! Tu dis les termes! Bon, je suis désolé, je vais me coucher. Oh bah nous, on va pas tarder non plus, je pense, hein. Je tenais à venir vous saluer. Bonne soirée à tous. Eh bien, ça fait plaisir. Ton salut fait plaisir, Bucky. Et puis, ben, dors bien, repose-toi bien, parce que tu dois être crevé. Mais oui. Bon, apparemment, tu me dis TG, c'est magique. Mais. Non, mais attends, il faut se poser un peu là. Faut essayer de comprendre quand même. Attends, le Bacta est une substance utilisée dans toute la galaxie pour faciliter la guérison et le rétablissement. Le patient est suspendu dans ce liquide, généralement inconscient, pour une ou plusieurs séances prolongées. Ces substances visqueuses contribuent à la régénération des tissus musculaires et des nerfs. Attends. Non mais parce que. On se pose 2 secondes là. On se pose scénario, on se pose théorie, on se pose qu'est-ce qu'on vient de voir. Le mec, c'est un gars de la Haute République. Bon. Il voulait ériger un temple là sur je sais plus comment ça s'appelle, Terra, Serra, Narama, je sais pas quoi. Le Conseil Jedi lui a dit va te faire. Et il y a eu, on va les appeler les Nihils pour le moment, qui sont arrivés, qui ont attaqué. Les Jedi, ils ont dit, le Conseil Jedi il a dit on va pas faire de temple là et l'attaque là sur sur bon, non, on va pas non, on va pas s'en charger. Du coup, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il les a combattus? Est-ce qu'il était coincé sur la planète donc bah il n'a pas pu. Enfin, je veux dire, il s'est pas fait aider par le Conseil Jedi, donc il s'est fait tuer ou gravement blessé. Si c'est le cas, il a été mis dans une cuve, mais pour faciliter la guérison et le rétablissement, le patient est suspendu dans ce liquide généralement inconscient pour une ou plusieurs séances prolongées. La séance, elle peut pas durer 300 ans, quoi. Donc ça voudrait dire que quelqu'un l'aurait mis dans cette cuve, ceux qui sont venus le chercher, mais il y a un problème là, cette théorie, même si il l'avait mis là, tu sais, le temps que... voilà. Il y a un autre problème, c'est que quand il est sorti de sa cuve, il était bon, il n'avait pas basculé du côté obscur. Donc comment, en ayant basculé du côté obscur il y a genre 10 secondes, il peut avoir des alliés? Alors, autre théorie. Le mec, en fait, déjà passé du côté obscur. Et tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait saigner son Kyber par la haine. Mais est-ce que tu peux vraiment faire ça? Et puis, pourquoi est-ce qu'il aurait... Alors, oui, il peut déjà avoir basculé, parce que justement, il en voulait au Conseil des Jedi. Donc, c'est-à-dire qu'il aurait basculé parce qu'il leur en voulait, mais il y a déjà de ça de plusieurs centaines d'années, ou je sais pas quand ça se passe. Il a été mis dans la cuve à Bacta parce que par ses amis, et puis là il faisait juste une petite séance tranquillou. Puis il y a Cal qui est arrivé, ça l'a fait un peu chier. Bon, il a fait saigner son Kyber, il l'a affronté. Puis à la fin, il a eu de la chance parce que je lui mettais la douille là quand même. Il a eu de la chance que ses amis soient venus le chercher. Voilà, moi c'est un peu tout ce que j'ai là, hein. On retient que Dagan n'aime pas une certaine partie de la population. Oui, bah tu parles
Tu parles des Jedi, du coup, parce qu'ils l'ont un peu laissé tomber, non, au final ? C'est une accusation très grave, mon cher Scan. Mais c'est très frustrant de vous dire toutes ces théories. Par contre, bravo à vous, parce que vous ne me dites rien. Bah alors, moi, à votre place, je serais là en mode « Oui, t'as raison » ou « Non, c'est pas trop ça ». Alors, vous, vous dites rien, calme plat. Je dois être totalement à côté de la plaque. Hein. Ah oui, quand même, quoi. Mais je comprends pas, par contre. Ah, Tanalore. Tanalore est une planète située de l'autre côté de l'abysse de Kobo. Ok, d'accord. Ce qui la protège de la plupart des envahisseurs. Dagan Gera se sent étrangement lié à cette planète et dit très souvent qu'il veut y retourner. Oui, t'as raison et non, t'as pas raison. Je crois que ça m'avance pas mal. Mais merci Mando, ça m'aide un peu. Dagan Gera est un Jedi de la Haute République qui accuse le Conseil Jedi d'avoir abandonné Tanalore et laisse entendre qu'un proche l'a trahi. Ah bon ? D'accord. Ah, ça c'est bien. Enfin, ça dépend. Attendez, il y a des trucs à lire. Dans une installation de la Haute République, au cœur de la forêt, Cal découvre conservé dans une cuve à Bacta un homme n'ayant qu'un seul bras. En touchant la cuve, Cal déclenche une autre vision dans laquelle Santari crie et un explorateur Jedi du nom de Dagan Gera, l'homme dans la cuve, discute de la promesse de Tanalore. Par le biais de la Force, Dagan implore Cal de le libérer, ce qu'il fait. On va dire qu'il était enfermé là-dedans. Mais ça se tient pas. Après sa libération, Dagan reproche son emprisonnement à l'ordre Jedi. Ah. Ok, bon. Attends. Et alors que Cal le supplie de rejoindre le combat contre l'Empire, il dégaine son sabre laser et attaque. Leur duel est interrompu par Ravis. Ah, attends. Ravis. Attends, mais on connaît lui, non ? Qui cherchait Dagan depuis longtemps. Déchu prend la fuite, laissant Cal méditer sur les... Attends, Ravis. Attends. Comment on fait ? Oh là là, je vais me perdre dans les menus autant que dans les... On n'a rien sur Ravis ? C'est pas celui qui était devant la cantina qu'on a bouli, là ? Attends, ça, c'est récent, ça. Et comment je fais pour pas aller dans mes récents ? Données. Attends, voilà, oui. À propos de Kobo, non, personnage, voilà. Attendez, on va y arriver. Ravis ! Je suis Ravis de le revoir. Le Jedi, ouais bon, le Jedi quoi, Ravis, est le chef des pillards du chaos. Il ordonne à son lieutenant d'éliminer Turgle, ouais bon, après que ce dernier lui ait vendu à Fosquet. Attends, mais il y avait autre chose ou pas ? Ah oui, 1 sur 3. Mais j'en ai trouvé qu'un sur 3, non ? Ah non. Ouais, j'en ai trouvé qu'un sur 3. Oui, mais... Jedi déchu, déclenche une autre vision dans laquelle... L'homme dans la cuve discute de la promesse de Tanalore. Bon. Ravis pouvait peut-être... Ok. Si on part du principe que l'ordre Jedi l'a enfermé là-dedans. Pourquoi pas ? Mais pour moi, ça veut dire qu'il aurait déjà tourné du côté obscur avant même qu'il y a ça. Et Ravis, lui, il le cherchait, mais il pouvait pas l'atteindre. Mais nous, on a tout ouvert pour pouvoir l'atteindre. Et donc Ravis, il n'avait plus qu'à venir, mais comment il a su Ravis ? Mamma mia, il ne comprend pas. Tu verras, oui. Si tu te souviens du scénar du jeu dans 20 ans, ben je vais essayer. Ravis, c'est celui qui agresse la grenouille. Ouais, ok, c'est bon. Le con de boss pillard, ouais. Le scénarium pour qu'il arrive. Ouais, c'est ça. Pile au bon moment, au bon endroit. Oui ! Tu vois, on se pose les mêmes questions, Crix. T'es un bon, Crix, t'es un bon.
Pour la petite info, dans l'onglet Données, tu as un résumé des persos, leur progression dans l'histoire et le résumé de la quête principale. Ouais, ok, bah c'est ce que je suis en train de voir, je crois, je suppose, là. Hein. L'onglet Données, ouais, hein, c'est ça. Hein. Tu dis, tu as un résumé des persos. Ouais, ouais. Progression de l'histoire. Histoire. Ouais, c'est ça. Hein. Ok. Est-ce que t'as vu la première série Clone Wars de 2003? Il y a un autre Jedi dedans. Oui, je l'ai vu, mais alors là, c'est celle qui est faite en, celle qui est assez, assez speed là, avec qui c'est qu'il y a? Il y a, il y a Anakin, il y a Yoda, il y a merde, comment il s'appelle? On l'aime tellement pas que j'ai plus son prénom. Comment il s'appelle? Mais comment je peux oublier des noms comme ça? Je me déteste. J'ai même pas envie de vous donner d'indice. Vous allez. Oui, Windu. Même pas besoin d'indice, quoi. Weston, elle trouve. Merci, oui. C'est ça, non, celui de 2003. Je vais pas spoil, mais c'est évident que tu n'as pas toutes les réponses dès le début. Oui, je suppose. Alors, non. Il traquait Cal dans la jungle avec ses drones. Ok. Bon, s'il m'a traqué, c'est que, bon, il pouvait savoir où j'en étais alors. Vous abandonnez ici pour ma part. Passez une bonne fin de soirée et bon fin de live. Merci Weston. Bah, merci d'avoir été là. Et puis, bonne soirée à toi aussi. Je pense qu'on va arrêter là de toute façon. Donc, voilà, voilà. Merci, merci. Windu est le meilleur Jedi de l'or. Ça violet, oui, c'est vrai. Qu'est-ce que ça m'apporte, ça? Je sais toujours pas, en fait, finalement. Ah, essence de santé. Ouais, ripostez. Ouais, bon, défendez-vous contre ces combos, ripostez dès que vous en avez l'occasion. Mais ça, c'était pas bien compliqué. On voyait quand est-ce qu'il allait attaquer et tout. Je veux dire, même les ceux qui dégueulent, là, ils sont plus compliqués que lui. De stase dans la... siècle de stase dans une cuve libéré de 2 siècles, c'est ça. Il semble avoir basculé du côté obscur. Il attaque sauvagement, mais avec toute l'expertise d'un ancien Jedi de l'ordre. D'accord, d'accord, d'accord. Et maintenant, attends. Ça me dit que je dois aller là. Attends, attends, mais peut-être par l'extérieur, non? Comment, pourquoi les gens disent que le jeu paraît plus simple que le premier? Ah bah, si tous les boss sont comme ça, oui, ça m'étonnerait quand même. Qu'est-ce que c'est ça? Ressentir l'écho. Si tu joues pas un grand maître, il y a zéro difficulté. Oh, Padawan was supposed to bring us closer, but all it did was divide our order. D'accord. The council may have given up on you, but I know who you truly are, Dagon. D'accord. Even if you yourself have forgotten. She had such faith in him. Oui, je pense que lui, il avait déjà tourné en fait. Endeuillée et pourtant pleine d'espoir, Santari Kriss crut-elle à l'abysse de Kobos sans savoir si elle reverrait jamais le monde qui s'étendait au-delà. Je suis mort 15 fois contre ce con et tue le one-shot après 2 semaines sans jouer. Ça s'appelle le talent, Scan. Non, en vrai, je pense que c'est juste que... Bah, c'était facile. Mais après... Regarde les mobs dans la nature, genre celui qui dégueule, ou même l'autre là qui te prend et qui te jette dans tous les sens, ils sont très durs à battre. Donc je mets en grand maître, je suis mort. Je vois les faults de la dark side. Ah, on va pouvoir voler. Bon, prochain spot de sauvegarde, on arrête. Je pense qu'il va y en avoir un.
Not a bad view, huh, buddy? Wonder if Grease and Bolt fixed the Mantis by now. Oh non, pas Bud. Putain, j'ai l'impression d'être dans Genshin. Avec les petits vents qui te font aller plus haut. Ah ouais, il y a un truc de sauvegarde. Ici est la fin, les amis. I need to center myself. Bud. Ça sauvegarde, ça, ouais, hein. Ouais, ça doit sauvegarder. Bien. Bien, 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 bien. Eh ben, c'était une bonne partie, je trouve. 2h11 de live, on a bien avancé. Je pense que là, on va s'en aller de Kobo. Est-ce qu'on n'irait pas sur... Où ça s'appelle, hein? Ah oui, j'ai 3 points. Je les attribue la prochaine fois. Comme ça, j'aurai plus les idées claires. Quoique. bonne nuit, Mando. Bonne nuit, Scan. Ah non, tu pars pas de Kobo, je te préviens. Ah bon? What the f... Ok, d'accord. Bien. Bah, c'était une bonne partie, ouais. Moi, je suis bien content. Donc bon, bah écoutez, sur ce... Merci, bravo à toi, Kishni. Merci, Fredo. C'était sympa de t'avoir avec nous. Bonne nuit tout le monde. Salut, Ced. Toujours là, le Ced aussi, ça fait plaisir. Bon, et puis à tous ceux à qui j'ai pas dit bonne nuit, bonne soirée. Bonne nuit, bonne soirée tout le monde. Retournez bien à vos occupations ou allez dormir, tout simplement. C'est pas mal aussi. Salut, Crix. Et puis, bah voilà, bah à la prochaine. Je vais mettre la rediff sur YouTube. Et puis, voilà. Allez, ciao tout le monde.